Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo unboxing. Il se trouve là que j'ai reçu pas mal de colis, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo unboxing. Tout ce que j'ai reçu, ce sont des produits offerts de la part de marques, comme ça c'est clair. Je vais commencer par celui que vous ne voyez pas, qui est juste ici. Il s'agit d'un portage de chez Clarins et dedans il y a un petit coffret The Couples Clarins. Je sais ce que c'est parce que lors de l'événement, on nous a dit qu'il y a un petit quelque chose qui allait sortir, une collab très sympa. Et il s'agit, waouh, le pack est trop beau. Il s'agit de deux nouvelles huiles confort lèvres. Et donc on en a une light stone et une dark stone. J'ai hâte de voir comment va être la dark. Alors, waouh, c'est canon. Les voilà de plus près avec un plan digne de youtubeuse. Je vais faire des swatchs. Les deux sont légèrement pailletés. Alors si vous connaissez pas ce produit déjà, c'est de la bombe, c'est des huiles pour les lèvres qui sont hyper nourrissantes, qui font en plus des très jolies lèvres. Alors je viens de swatcher la noire, j'ai hâte de voir ce que ça donne sur les lèvres. Et puis la rose tendre. Voilà, donc je pense que la noire ça doit faire un petit effet légèrement fumé. Et la rose tendre, eh bien un petit rose nacré, c'est très mignon. J'ai hâte de les tester, mais je ne vais pas les essayer là. Déjà, je ne suis pas censée faire de swatch, c'est une vidéo unboxing. Ces deux huiles à lèvres sont en exclu chez Sephora si vous avez envie de les swatcher, de les essayer. Franchement, moi j'adore ces produits. J'ai reçu des petites choses beaucoup trop mignonnes. Et alors c'est drôle parce que c'est une marque que je connais depuis super longtemps. Ce sont des petits sachets de thé Tea Heritage. Est-ce que vous connaissez cette marque? Moi, je les connais vraiment depuis super longtemps. Et du coup, c'est des petits sachets de thé beaucoup trop mignons. Je vais essayer de vous montrer plus près. Donc là, on a une étoile avec une petite étoile aussi dorée. Ça, c'est le Earl Grey. Ensuite, oh non, mais l'amour, on a un pingouin avec... qu'est-ce que c'est le petit bidule? C'est la boule, vous voyez? Et donc là, on est sur thé noir cerise. Ici, c'est un petit mince, colibri avec sa feuille tropicale derrière. Et là, c'est jasmine, donc jasmin. Là, c'est un sachet de thé en forme de cactus avec une petite fleur. C'est le thé noir blueberry. Et enfin, le petit cœur avec aussi le cœur pour le petit papier qui est jasmin également. Non seulement c'est trop mignon, mais en plus, tout est tissé à la main. Enfin, c'est vraiment... on sent toute l'attention quoi qu'il y a dans ces petits sachets. Je trouve que c'est une super idée cadeau. Il n'est jamais trop tôt, mais voilà. Et ils nous disent qu'en plus, chaque sachet donc, est réalisé à la commande. Et là, c'est la collection Noël qui propose des saveurs venues d'ailleurs, méticuleusement sélectionnées, toutes bio et en collaboration avec le label Ethical Tea Partnership qui vise à rendre plus durable l'industrie du thé. Eh bien, c'est top. Je suis ravie, j'ai trop hâte de les goûter. Ils sont tellement mignons. J'ai reçu un énorme tube de CC d'huile correcte que je ne connais pas, qui doit être nouvelle, de chez Herborian. Donc on est sur un gros pack. Et dedans, donc la CC. Alors qui est taille normale. Hein. Donc c'est dual, je ne sais pas ce que ça veut dire. Perfecteur automatique, booster d'éclat, teint unifié. Donc c'est correcteur teint terne, dullness correcteur, voilà c'est ça. C'est pour les teintes ternes. Bah écoutez, c'est top. Et alors celle-ci, comment elle est toute violette. Quelle couleur ça donne. C'est violet en effet un peu quand ça sort. Je pense que vous le voyez. Et ensuite avec la magie des CC Herborian, eh bien ça prend petit à petit la couleur de la peau. Je vais voir ce que ça donne. Donc c'est, je pense, la teinte violette qui vient contrer un peu les teints ternes, enfin qui apporte de la lumière. C'est assez lumineux, je sais pas si vous le voyez. Écoutez, j'ai hâte de la tester. Moi j'adore la CC classique, la CC Red aussi que j'aime beaucoup, la CC High. Donc j'ai hâte de découvrir l'effet de celle-ci sur ma peau. Alors dans ce paquet-ci, il s'agit de produits Rennes. Est-ce que vous connaissez cette marque? C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Alors de chez Rennes, j'ai reçu ce petit produit qui est le traitement imperfection non desséchant. Alors ça j'avoue que c'est étonnant, ça m'a intriguée parce que souvent les trucs anti-imperfection, c'est plus parlé, vous avez compris, ça vient assécher les boutons. Donc là c'est non desséchant qui élimine les boutons et apaise. Ils disent que ça enlève les rougeurs et que ça guérit éventuellement si on a un bobo comme moi là. Je l'ai caché comme j'ai pu mais il n'est pas très bien caché. Voilà le petit tube. Alors je veux l'ouvrir parce que je me demande quelle est la matière. Ah, c'est un espèce de gel
légèrement teinté, comme du thé en gel, ça me fait penser. Ça sent bon, je suis hyper étonnée. En général, les trucs anti-boutons, ça sent fort et ça sent vraiment très bon. C'est une odeur très douce. Trop bien, j'ai super hâte de tester ce produit. Il va aller direct dans les trucs que je suis en train de tester. En plus, le tube est fait à 50% de plastique recyclé. Rennes, ils sont vachement engagés là-dedans, donc c'est vraiment top. Le deuxième produit que j'ai reçu de la part de Rennes, j'ai demandé à le tester parce que j'en ai besoin en ce moment et que je le connaissais pas. Et vu qu'il m'envoyait l'autre, je me suis dit tiens, si je peux le tester en même temps. C'est le masque apaisant ultra réconfortant. Moi, je dégomme les masques hydratants, nourrissants, nourrissants, apaisants. J'en utilise beaucoup en fait. Au moins une à deux fois par semaine et ça descend très vite parce que je viens aussi faire le décolleté, donc voilà, j'en utilise pas mal, vous en retrouvez pas mal dans mes vidéos produits terminés, d'ailleurs il y en aura bientôt une je pense, et celui-ci je ne le connaissais pas. Donc là on est sur un produit cruelty free à nouveau et ils disent d'utiliser 3 fois par semaine ou autant de fois que votre peau en a besoin. Ah ouais, appliquer une quantité généreuse sur une peau nettoyée en évitant le contour des yeux, hein, 10-15 minutes, ok. Et donc on est là sur un format flacon pompe, on voit la texture à l'intérieur qui est un peu vert clair. Mais écoutez, ça je testerai de toute façon, puis je vous en reparle très vite. Ah, pour revenir juste sur le petit non-drying spot treatment là pour les boutons, ils disent aussi que ça, ça estompe les cicatrices et la pigmentation. C'est cool ça. Paula's Choice. Là, il s'agit aussi d'un masque qu'ils m'ont proposé de m'envoyer. C'est le Super Hydrate Overnight Mask. Vous comprenez pourquoi j'ai dit oui. Il y avait marqué hydratant, j'ai dit ouais, ouais, je vais essayer. Donc celui-ci, donc normalement c'est pour la nuit. Moi je pense que je vais aussi l'utiliser dans la journée, mais on s'en fiche. Il est non irritant, pas testé sur les animaux et sans parfum. Ils disent de l'appliquer donc sur le visage cool, laisser poser 20 minutes et de rincer et ensuite de laisser poser toute la nuit. Alors, vu que c'est rincé, c'est pas vraiment laisser poser toute la nuit. C'est un peu en fait le masque à faire avant de dormir finalement. On ne le garde pas sur le visage. Voilà le tube, tout vert. Petite pause dans la beauté avec des oracles que j'ai reçus de la part d'Isa. Et je suis trop contente. Donc c'est les oracles d'Isa sur Insta. Il s'agit de son oracle libération énergétique. Oh, il y a un petit mot. Et de son oracle vie antérieure. Alors bon, si c'est pas trop le genre de truc qui vous botte, passez rapidement, mais si vous aimez les oracles et la spiritualité, tout ça, eh bien ça devrait vous intéresser. Voilà les deux oracles, ce sont les illustrations de Wild Amanda comme les deux premiers. Et franchement, je les adore. Les deux premiers, je les adore, donc je suis sûre que je vais aussi adorer ceux-là. Ils sont aux éditions Exergue. Et déjà ils sont trop beaux, voilà, hein. Ils ont une tranche, oh là là, ils ont une tranche colorée, moi j'avais jamais vu des oracles avec une tranche colorée, vous savez en général c'est doré, argenté, mais alors là par exemple celui Libération Énergétique, il a une tranche violette métallique, magnifique, et le jeu est superbe, je vais vous montrer brièvement, hein, mais... Là par exemple, qu'est-ce qu'on a? Cristaux, hiver, il y a des périodes en fait, il y a deux sortes de tirages qu'on peut faire. On peut faire des datations avec les oracles d'Isa. Donc c'est à mi-chemin entre le développement personnel, la spiritualité et la médiumnité un peu, entre guillemets. Mais voilà, bon, je les aime énormément, donc je vous ferai forcément des tirages avec sur Instagram. Vous savez que je fais souvent, enfin si vous me suivez là-bas, vous savez que je fais souvent des tirages oracles. Il y a avec un livret qui est super beau, qui est en couleur. Il est trop joli. Je vais vous montrer rapidement le vie antérieur. On est sur un jeu dans les bleus, avec une tranche bleu indigo presque, magnifique. Et voilà les cartes. Ah, j'en ai passé, non mais celle-là elle est trop belle, c'est celle du boîtier. La batterie nous a lâché. Enfin bref, voilà, je vous montre un petit peu tout. Dans les cartes d'Isa, il y a de l'ombre et de la lumière, il y a un peu de tout. Et là pareil, petit livret donc bleu avec les illustrations. Trop hâte de tirer les cartes avec. Alors dans ce carton, il y a un paquet. Yo! C'est un paquet un petit peu spécial puisque je sais ce qu'il y a dedans, c'est un paquet cadeau parce que Dior a ouvert un nouveau système en gros avec, pour travailler avec les influenceurs et c'était un petit cadeau, enfin un petit cadeau, un cadeau de lancement en gros d'inscription, donc il y a des choses que je connais déjà dedans
Mais je vais quand même tout vous présenter. Alors, en premier, dans Dior Backstage, il y a la Glow Face Palette, la 02, la Glitz, qui est sublime. Je vais la sortir. Ah, mes ongles. Il s'agit de celle-ci, c'est la dernière, qui a deux finis différents. On a un glow satiné et un glow pailleté. Elle est magnifique. Franchement, c'est palette d'highlighter, mais pour moi, c'est les meilleurs, quoi. Toujours chez Dior Backstage, c'est la dernière palette yeux ultra pigmentée 03 Amber Neutral. C'est la palette de l'automne. Alors c'est pas la dernière, il y a une nouvelle qui arrive là, mais bon, voilà, elle est magnifique. Ces couleurs, et là on a une, c'est ouf, on a une base ici. Je les ouvre pas parce que du coup, vu que je les ai déjà, je vais en faire cadeau. Mais de toute façon, j'ai déjà fait un make-up avec. Vous pouvez la voir, la palette d'highlighter aussi dans mes vidéos make-up. Ensuite, il y a un parfum, c'est Joy. Alors celui-ci, je ne me souviens pas de l'odeur, donc je vais le ressentir. Voilà le flacon, ça tombe bien, en plus je ne me suis pas parfumée. Franchement, j'aime beaucoup, je suis ravie parce que je ne l'ai jamais porté. Alors, j'ai pas le descriptif là sous les yeux. Pourquoi il n'y a jamais les descriptifs sur les boîtes de parfum? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Je trouve que ça serait bien au moins note de tête, note de cœur, note de fond. Bon, en tout cas, ils sont très très bons. Ouais, il est frais, fleuri, une petite pointe gourmande mais légère, j'aime beaucoup. Ah, il y avait un dernier produit que j'ai oublié de chez Dior Backstage, c'est la base visage et corps, une base effet floutant instantané et repulpant instantané, hydratation 24 heures. Ça c'est une base que j'avais pas testée parce que je crois qu'il y a des silicones dedans, donc je m'étais dit ça sert à rien, je m'en sers pas beaucoup. Mais bon, du coup ça va me donner l'occasion de tester quand même pour genre les gros make-up, les gros events où j'en mets éventuellement, où j'ai des pores. Donc voici le packaging et on est sur un tube mou avec je crois une texture assez fluide. Enfin vous n'allez pas voir, j'ai mis une mini crotte. Mais c'est quelque chose de très léger, très aqueux et en effet on a l'impression de mettre une base hydratante. Et pas du tout un truc juste pour les pores quoi. Je testerai ça, je vous dirai. Et en dernier, il y a deux sérums. Alors celui-là, le Glow Booster, je l'ai déjà essayé et il est trop trop bien. Ce sont des sérums qui ont un coût, hein, mais vraiment, ils sont top. Voilà à quoi ils ressemblent, vous les avez déjà vus dans mes routines soins. Franchement, ils sont top, top, top. Et le deuxième, je ne l'ai jamais testé, c'est le sérum en huile revitalisant, signe de l'âge retardé. C'est parfait, la trentaine. Et donc celui-là, c'est pour lisser la peau, nourrir, hydrater, tiraillements disparaissent, la peau plus douce, plus lumineuse. Et le voilà, il est vert. J'ai super hâte de le tester pour le coup parce que je ne le connais pas. L'avant-dernier colis, tenez bon. Donc cette fois-ci, c'est un paquet de Corès, la marque de soins et make-up grec. C'est une jolie boîte rose ronde avec une grenade dessus. Il s'agit de leur nouvelle gamme à la grenade. Ils disent que c'est une routine légère pour révéler un teint lisse, équilibré et matifié dès la première application. Et en plus, c'est vegan. Ça c'est top. On a là le gel nettoyant perfecteur de pores. Ça j'adore. Direct j'adore. Il y a... c'est marqué en grec. Ah non, c'est de l'autre côté. Une crème hydratante et qui balance le pH de la peau. Je trouve pas comment le dire en français. Ils l'ont pas écrit quelque part. Elle est à 93,3% d'ingrédients naturels. Donc en gros, ça, si vous faites trop de sébum, ça va réguler quoi. Et c'est hydratant en même temps, et ça, c'est pas commun. Souvent, ça dessèche un petit peu. Celui-ci, là, le nettoyant, il est à 87% d'ingrédients naturels. Là, on est un tonique perfecteur de pores. On est sur un tonique. Je vais plus parler. Ça, c'est top aussi. Je vais l'utiliser peut-être pas sur tout le visage, mais sur la zone T en tout cas. Et donc là, c'est marqué où ? Le 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Le dernier produit qui est un masque assainissant, je crois, pour la peau. Il y a marqué pour les peaux un peu oily, à 87% d'ingrédients naturels. Donc je pense qu'on est sur une gamme qui se place sur les peaux normales à mixte, voire mixte à grasse, on va dire normale à grasse. Élargit le spectre. Si vous avez la peau sèche, ben pas forcément pour le coup, ou alors que localement, comme la lotion, ou alors en cas de, voilà, on a tous des moments où la peau, elle se met à faire trop de sébum, ou enfin voilà. En tout cas, ne décapez jamais votre peau parce que ça fait l'effet inverse. Elle va produire encore plus de sébum.
Donc voilà, si vous avez une peau mixte en tout cas, je pense que c'est vraiment une super gamme. On finit par le dernier paquet. J'ai reçu un joli petit pochon de la part de Guerlain. Guerlain qui fait énormément d'efforts pour réduire ses déchets, et notamment dans les envois presse, qui à chaque fois trouve des idées pour que ce soit réutilisable. Je trouve que c'est génial venant de la part d'une marque luxe. Et donc là, il s'agit de la nouvelle génération de soins Abeille Royale. J'adore cette gamme, je suis en train d'utiliser des sérums là à l'heure actuelle. Repenser pour un meilleur respect de l'environnement. Ben, vous voyez, moins 44% de réduction d'empreinte carbone, c'est top. Donc c'est une gamme issue des bienfaits du miel et composée de deux crèmes de jour, une crème de nuit, ainsi que la crème matifiante. Le tout bien rangé dans un coton, dans un pochon en coton biologique, jusqu'au bout. Non, franchement, c'est trop bien. Moi, je trouve qu'il faut encourager les gestes comme ça. Donc dedans, il y a trois crèmes. Il y a la crème de jour qui raffermit, lisse, illumine au miel gelée royale exclusive et vitamine C. Je vais sortir, je vais vous les montrer. La crème de jour, mais cette fois matifiante, qui raffermit, lisse et corrige les imperfections. Alors je l'utilise, je l'ai utilisé pas mal en été, moi en ce moment. Et la crème de nuit qui raffermit, lisse, galbe, visage et cou. Pareil, donc miel gelée royale, vitamine E. La matifiante, je vais pas l'ouvrir du coup, parce que bah, je l'ai ouverte là. Donc je vais peut-être en faire profiter quelqu'un d'autre étant donné que je l'ai déjà testé. Donc la crème de jour classique. Donc voilà, on est sur un pack allégé. Mais oui, celui que j'avais, c'était déjà le nouveau pack. Enfin, celle que j'ai là, c'est déjà le nouveau pack. Le pot est plus léger, il n'y a pas de fond qui sert à rien aussi. En fait, en réduisant le poids des produits, ils réduisent le poids sur les camions et au final, ça réduit l'empreinte carbone. Et donc la crème de nuit qui est cette fois-ci... avec le petit pack un peu marron foncé. Là aussi on est vraiment sur une gamme de soins de luxe, hein, donc je sais que tout le monde peut pas se payer, moi la première, mais je trouve que c'est chouette de pouvoir présenter une large gamme de produits de tous les prix, du Corès comme du Guerlain quoi. Dans le pochon il y avait aussi une espèce de petit dossier de presse en papier grainé, c'est un papier 100% naturel, renouvelable et biodégradable. Si on l'arrose il y a des fleurs qui poussent, c'est trop mignon. Et du coup, là, ils disent que pour les peaux mixtes, ça grasse, c'est la crème de jour matifiante. Et pour les autres, eh bien, la crème de jour classique. La crème de jour riche, elle va plutôt être pour les peaux très déshydratées et sèches. Là, moi, j'ai la classique. Et la crème de nuit, elle est bah, pour tout le monde. Voilà pour cet unboxing, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des produits qui vous ont attiré l'œil, qui vous intéressent, ou peut-être que vous connaissez déjà, parce qu'il y a des choses qui sont déjà sorties. Et puis dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéo, j'essaierai peut-être de vous en faire un peu plus souvent. Voilà, je compte sur vous pour me laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, et à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Moi je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite dans la prochaine.